Bonjour David Grimal. Bonjour. Vous nous proposez de créer un ensemble. Alors c'est une toute nouveauté, un ensemble, que dis-je, un orchestre, puisqu'il y a pour l'instant un petit peu plus de 20 personnes. Les Dissonances, d'où est venue cette idée, David Grimal? L'idée du nom des Dissonances ou de son contenu? Les deux, on va dire. Un des principes des Dissonances, c'est d'être un collectif de musiciens et non pas un orchestre. Et qu'il n'y ait pas de chef. Il n'y a pas de chef, et effectivement, il y a eu, peut-être je vais donner une direction du violon comme un violon solo d'ensemble, mais le travail est organisé de telle manière qu'on pense ça plutôt comme un grand ensemble de musique de chambre où chacun peut intervenir, proposer des choses musicalement au moment du concert. Et alors parmi les musiciens, beaucoup de très beaux mondes, hein. Ça fait comment ce choix-là? Par cooptation, par rencontre? Oui, ce sont des rencontres, ce sont des amis avec qui on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Le désir de se retrouver sur un autre mode que celui que peut offrir le cadre professionnel actuellement. Et c'est un petit peu pour ça que nous avons créé des Dissonances qui portent bien leur nom finalement, puisque en hommage au quatuor de Mozart qui commence par une dissonance puis qui est devenu un classique du genre, on espère créer un tout petit peu un nouveau centre en commençant par la marge. Je pense qu'effectivement, des jeunes musiciens ont besoin de questionner à la fois le concert et ce qu'est un orchestre ou ce qu'est la musique de chambre. Et l'avantage des musiciens des Dissonances, c'est qu'ils sont tous sur cette longueur d'onde et ont tous envie d'expérimenter ces nouvelles formes. Et je pense que le public a exactement la même envie. C'est-à-dire que le public attend autre chose qu'une suite d'œuvres qui traduisent à peu près toujours le même enjeu. Ils ont besoin de sentir que le concert est le résultat d'une expérience, le résultat d'une aventure qui a été vécue ensemble. Oui, notre rêve, c'est que en fait, l'amour de la musique, la passion qu'on a, le travail, l'aventure humaine qu'on est en train d'écrire, on puisse la partager avec des gens normaux. Et que les gens qui ont peur, peut-être, de la musique classique, nous rejoignent parce que ça leur parle, parce que c'est quelque chose qui va vers eux. Mais qui ne va pas vers eux en jouant des choses faciles, qui ne va pas vers eux en jouant forcément des choses qu'ils connaissent, mais en les emmenant dans des territoires inconnus, avec une exigence. Et on espère que toute l'énergie et
tout le sens existentiel que nous on y met, et ben ça leur parle. Voilà. Et que la musique classique, ce ne soit pas un ghetto. C'est très spécial, c'est très différent. C'est pas comme un orchestre, c'est beaucoup plus intime. Ça me plaît, c'est très intéressant pour moi. Alors aussi, ça donne à chacun une possibilité de contribuer son voix. Ça passe pas souvent dans un orchestre. Il faut juste écouter cette harmonie, elle arrive un peu tôt. C'est une harmonie un peu spéciale que vous jouez un peu normalement en fait. À part ça, des problèmes un peu d'équilibre à 109, peut-être un petit peu trop enthousiaste. Comment dois-je le prendre? J'ai l'impression que c'est une mesure sur deux qu'on a un temps fort quelque part. Il y a un canon aussi dans le... 76 ? Oui, c'est ensemble. On y va, ça tourne. Souvent écouter mon orchestre, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas impliqués parce qu'il y a quelqu'un devant. Effectivement, il faut suivre cette personne, mais je pense qu'il y a une manière de faire la musique classique qui est plus en contact direct avec le public et avec la musique. Et si on n'a pas cette personne devant, on est obligé de s'impliquer plus, automatiquement. Concert, c'est toujours un moment où les choses se scellent un petit peu, où le troisième élément qui est le public permet de retrouver les plaisirs de la répétition, les plaisirs artistiques et le plaisir d'écoute de l'autre et de le sublimer un petit peu. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est une sorte de... Dans la communication à l'autre, il y a cette manière de sceller le travail et une forme d'accomplissement un petit peu.